Bonjour et bienvenue dans Osez l'avenir numéro 2, votre mag de l'innovation version web numéro 2. Ici, nous sommes dans l'IBM Innovation Center. IBM, vous connaissez, ils vendaient des ordinateurs. Comment IBM a pu évoluer? Ils ont mis l'innovation au centre de leur stratégie. Du moment où elles vendaient des ordinateurs jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils vendent? On va le découvrir. On va rencontrer M. Hassan Behij, le directeur général de IBM Maroc. Bonjour Hassan. Bonjour Faisal. Comment ça va? Très bien, merci. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans l'IBM Innovation Center à Casablanca, à Casanearshore. Alors, on parle d'innovation. IBM et l'innovation, c'est quand même quelque chose qui doit aller de pair. Lorsqu'on voit les photos qu'il y a derrière vous, aujourd'hui, comment s'est construit l'avenir d'IBM à travers l'innovation? Justement, IBM, sa stratégie, elle est vraiment... L'innovation est au cœur de sa stratégie. IBM a été créé en 1911. À Endicott, dans l'État de New York. Et depuis, IBM a décidé de choisir à faire des investissements assez importants en termes de recherche et développement. Donc IBM, c'est plus de 3000 chercheurs, déjà 5 prix Nobel de physique au sein de IBM, et c'est plus de 6 milliards de dollars d'investissement au niveau de l'innovation. Alors, juste que IBM vendait des ordinateurs, c'est la question que je me posais tout à l'heure. On n'a plus d'ordinateur IBM, ou en tout cas plus chez nous, plus tellement au bureau. Qu'est-ce que fait IBM finalement et comment elle a pu intégrer, à travers sa démarche d'innovation, changer de business model? Justement, grâce à cette innovation, IBM produit à peu près 7500 brevets par an. Et c'est la 23e année consécutive où IBM est à la tête des inventions au niveau international. Justement, quand on entend ça, ici, on est à l'IBM Innovation Center, vous allez dire à quoi ça sert, mais on va se retrouver devant un de ces serveurs. Moi, j'aimerais bien en avoir un comme ça à la maison. OK. Alors Hassan, nous sommes au sein de l'Innovation Center d'IBM. Derrière nous, il y a un monstre. C'est quoi ça exactement? Ce que vous avez derrière vous, c'est ce qu'on appelle un data center. C'est là où toutes mes données sont. Là on met pas les miennes, bon. Absolument. Là on met les données effectivement de clients. On met aussi du contenu pour permettre aux entreprises justement de tirer profit des technologies. Et également pour les entrepreneurs, on leur permet justement de développer des applications métiers ou applications mobiles. Faut pas débrancher ça. Non, jamais. Alors, de toute façon, il est sécurisé. À quoi il sert ce centre? Donc ce centre d'innovation, en fait, IBM a investi pour mettre un centre d'innovation pour nos clients, pour nos partenaires, et c'est fait pour le Maroc et aussi pour l'Afrique francophone. Donc ce centre permet justement de montrer les dernières technologies de l'information à nos clients, parce qu'il y a une transformation très très profonde au niveau technologique. Aujourd'hui, on est dans une ère de cognitif, et le mobile et les réseaux sociaux est l'outil de communication, et on a besoin de beaucoup d'intelligence et beaucoup de capacité de traitement. C'est pourquoi on a ce genre de machine qui permet justement de faciliter la tâche à nos clients et en même temps à nos partenaires et développeurs. Alors, le cognitif, c'est quoi? Parce que finalement, c'est ça. À quoi sert l'innovation? On va essayer de comprendre. On a commencé à inventer des ordinateurs, à inventer du hardware, à vendre des softwares, des logiciels. Et maintenant, on a l'impression qu'on a toutes les technologies nécessaires. Il faut faire marcher encore plus l'intelligence et la créer. On va aller en parler. Est-ce que une petite vidéo sur les Smart City qui m'intéresse? Alors là, on est dans un centre de commandement finalement qui pourrait être une espèce de centre de pilotage d'une Smart City. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quand on voit ça, on a l'impression qu'on est dans un film de science-fiction. Justement, un poste de commandement intelligent comme celui-là permet justement l'agrégation des données qui arrivent de différents types de médias, que ce soit des tablettes, des iPhones, etc. Ces données-là sont moulinées pour justement en tirer des informations intéressantes pour les citoyens, comment rendre la vie facile aux citoyens, c'est-à-dire la gestion du trafic, la gestion météo, et un ensemble de services qui rendent la vie facile aux citoyens. Alors, c'est ce qu'on appelle le big data et l'analytics. La Smart City, c'est un concept qui commence à arriver au Maroc. On en est loin dans certains endroits, mais ça, c'est quelque chose qui est applicable au modèle marocain? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la première application très simple, c'est la gestion de la vidéo, sécurité au niveau national. Vous savez, vous avez 2000-3000 caméras, vous avez un flux de données très très important, et pour pouvoir le gérer d'une façon intelligente et réagir à tout événement, vous êtes obligé d'avoir des systèmes cognitifs intelligents basés sur de l'analytics qui permettent de détecter, apprendre où est-ce qu'il y a le problème, essayer d'apporter des réponses.
Alors, dernière question, Hassan. Si vous deviez dire à de jeunes entrepreneurs, à de jeunes étudiants, à quoi sert l'innovation, on l'a bien vu à quoi ça servait au niveau d'IBM, quel message vous pourriez leur livrer? Moi, le message que je passe aux jeunes, c'est le suivant. La technologie leur permet aujourd'hui d'innover. C'est plus comme avant. Quand j'ai eu mes études, j'ai eu mon diplôme, on avait du mal, il fallait acquérir les logiciels et les équipements. Aujourd'hui, tout est sur cloud et aujourd'hui, il y a des outils qui permettent justement aux inventeurs ou créateurs d'entreprises de créer des applications qui non seulement vont être utilisées localement au niveau national, mais au niveau international. Donc, plus aucun prétexte. Aujourd'hui, il faut oser, il faut de l'audace, il faut oser innover, il faut oser l'avenir. Merci Hassan. Voilà, Osez l'avenir, c'est fini, vous le savez, n'oubliez pas de nous retrouver tous les jours sur Atlantic Radio avant les journaux de 8h30, 12h30 et 18h30 et n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook Osez l'avenir. Je récupère mon ordinateur, je le débranche et puis on y va.